ta présence. Je ne désire que toi, Jésus, que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence, mon âme soupire après toi, soupire après toi, amoureux, amoureux de ta présence. Ouvre ton ciel, ouvre ton ciel. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Ouvre le ciel, ouvre ton ciel. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Bonsoir chez vous, shalom chez vous, bienvenue à votre chère émission Teila. Nous sommes très contents ce soir encore, ou encore ce jour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, d'être là devant vos écrans et nous espérons que la semaine a été une semaine de grâce, une semaine de bénédiction et de paix. Et ce soir, nous sommes là pour parler une fois de plus de la part du Seigneur. Nous sommes là ce soir pour édifier le peuple de Dieu. Je crois que tout à l'heure, vous avez été édifié par ce beau chant, par ce beau cantique, par cette belle prestation de notre sœur Choisie Bassolois, qui déjà évolue au niveau de la capitale de la RDC, Kinshasa. Elle nous a fortement bénis par ce chant qui parle d'assoiffé. Qui dit assoiffé parle d'un chrétien, un chrétien qui devrait être assoiffé continuellement, assoiffé de l'Éternel, puisque l'Éternel est même la source de sa vie et même la raison pour laquelle il est sur terre. Alors ce soir, comme d'habitude, je ne serai pas seul. Donc vous serez bénis au travers de nos différentes rubriques, témoignages, tout ce qui s'en suit, je t'enseigne, prière. Et on espère que vous qui êtes assis ce soir sur vos fauteuils, devant vos écrans, vous serez bénis par cette émission, car la personne que nous vous avons amenée ce soir pour vous parler de la part du Seigneur, nous l'avons invitée dans nos numéros précédents, dans nos saisons précédentes. Il nous a fortement bénis d'une manière tout comme d'une autre. Et ce soir, nous espérons que vous serez bénis au travers du message que le Saint-Esprit a placé dans son cœur. Un message très bien, un message qui sera là pour réveiller notre relation
avec le Seigneur, réveiller notre identité. Et pourquoi pas nous parler davantage sur exactement qui nous sommes et qu'est-ce que nous devons faire dans le Seigneur. Et ça sera après cette transition, tout en vous présentant mon invité. Comme je l'ai dit, je reviens pour nous présenter cet invité. Et moi, je l'aime beaucoup. Je l'apprécie une fois lorsque dans une des émissions sur laquelle il était accompagné de la chorale de l'église du Carmel. Et après, je l'ai appelé lui-même. Il est venu et il nous a fortement bénis. Et ce soir encore, je dis bonsoir au docteur Alka. Bonsoir, papa. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Bienvenue chez nous. En tout cas, merci beaucoup. Après, c'est pratiquement bientôt une année peut-être. Oui, oui. Qu'on vous a vu. Plus d'une année, je crois. Plus d'une année. Et ouais. Entre-temps, j'espère que vous portez bien. Effectivement. Vous êtes marié maintenant? Oui, oui. L'autre fois, j'étais célibataire. Là, déjà marié. Voilà, déjà marié. Avec donc, un enfant déjà marié. Ah, c'est oui. Très bien. Donc, plus d'une année. Donc, toutes les candidates, voilà. En tout pas cas. Les candidates, vous là qui pensez que papa est encore célibataire. Il est maintenant marié. La fois passée, vous étiez célibataire. Et là, je vous reçois sur un autre statut aussi. Exactement. Mais encore dans un autre statut qui est celui du mariage. Parce que autrefois, je vous recevais comme docteur de la parole. Exactement. C'était ça, non? Oui. C'était pas docteur à l'hôpital ou... Non. Alors, docteur non. De la parole, parce que vous nous avez énormément bénis au travers de votre passage. Okay. Raison pour laquelle on a voulu que vous puissiez revenir encore nous saluer. Sinon, maman va bien? Oh, oui, elle va très bien. Et le bébé? Il va également c'est bien. C'est une fille, c'est un garçon. Ah, ouais. D'accord. En tout cas, tout maman nous suit, nous la saluons. Okay. Et salutations aussi au bébé. Alors, ça se passe bien sinon? Oui, tout va bien en tout cas. La ville de Colwezi, elle se comporte bien avec vous? En tout cas, il n'y a pas à se plaindre. D'accord. Donc, vous êtes là pour nous parler d'un très beau thème. Exactement. Et je crois, moi, quand vous l'avez envoyé, j'ai dit, c'est bon. On va vraiment parler de ce qui est important, oui. De ce qui est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Oui. Et on va en parler, en tout cas, pendant longtemps. Vous allez vraiment nous parler du thème. Vous allez vraiment le développer, entrer en profondeur, édifier ou pour encore conscientiser une âme qui nous regarde devant ses écrans ce soir. Mmh. Mais avant ça, j'aimerais d'abord que nous puissions connaître qui est le docteur Alka. Comme je l'ai dit toujours dans mon émission, on vient cas. De quelque part, que ce soit nos parents biologiques, nos parents spirituels. Mmh. On a toujours un parcours avec le Seigneur, on a toujours une histoire avec le Seigneur. D'où le Seigneur nous a tirés, à quel moment, c'était comment, comment a été l'appel, mais aussi qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé de faire, parce que nous sommes passagers sous cette terre des hommes, mais nous marchons selon la parole qui dit « La moisson est grande, nous devons Exactement. Faire de toutes les nations les disciples de l'Éternel. » Et voilà, sûrement le Seigneur vous a appelé, c'est dans ce contexte. Et vous allez nous parler de vous et de votre relation avec le Seigneur. Quand est-ce qu'il vous a appelé? C'était comment? Est-ce que vous étiez un enfant turbulent? Est-ce que vous étiez un adolescent assez voyou comme ça? Voilà, un témoignage pour peut-être édifier celui qui nous suit. Parce qu'on va vous entendre parler de la part du Seigneur. Oui. Mais il faut que les gens se disent, ah, donc au-delà de cette connaissance de la parole, donc sûrement il y a eu un parcours avec Dieu. Tout à fait. Et ça sera après cette transition. Okay. Alors, nous voilà de retour, docteur. Alors, qui est le docteur Alka? Je sais peut-être la dernière fois, vous avez parlé de vous, mais cette nouvelle saison, on aimerait vraiment entrer dans les fins fonds des détails pour comprendre qui êtes-vous. Okay. Peut-être que votre parcours va édifier quelqu'un ce soir. Et alors, on aimerait savoir qui est exactement le docteur Alka. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Mbayoma Tamba Alka. Alors, je suis un jeune qui... né d'une famille déjà chrétienne. Mes parents, d'ailleurs, ils se sont connus, ils étaient dans la chorale. Okay. C'est là qu'ils étaient mariés. Et moi, je suis né, fils aîné. Ah, je suis né à l'église. J'ai continué ma vie à l'église, j'ai grandi. Okay. Très tôt déjà à l'écodime, très tôt déjà dans les chorales. Mm-hmm. Mais arrivé à un moment donné, ça a pris une autre tournure. C'est que Dieu était en train de m'appeler. Et c'était accentué par quelque chose, parce que j'étais également malade. Mm-hmm. Et cette maladie à l'époque-là, ça m'avait tellement coûté. Et on ne comptait que sur Dieu. Alors, en ce moment-là, l'appel aussi a tellement pesé. Et après quelques années également, je me rappelle, premièrement, j'ai une date que, par laquelle, la première fois, j'ai commencé à prêcher. Okay. Il s'agit du... Bon, officiellement, parce qu'avant, dans la chorale et tout ça... Ça arrivait des fois. Ça arrivait, oui, conduire, tout ça, ça arrivait. J'étais même interprète, ça arrivait. Alors, en ce moment-là, je me rappelle, c'était le 4
janvier 2009, c'est la première fois que officiellement j'étais dans une grande assemblée pour prêcher la parole. Et je me rappelle, avant que cela n'arrive, le 3 janvier même, c'est un témoignage extraordinaire que j'avais vécu. Vers le soir, à la maison, j'étais avec ma mère, on était en train de parler vers 18h. Il faisait un peu noir. Alors quand il faisait un peu noir, on parlait, puis à un moment donné, on était un peu comme calme. Mm-hmm. J'étais allongé sur le canapé. Puis je vois comme quelqu'un qui entre dans la maison. Mais cette personne commence à me dire comment on prêche. Tu sais, tu dois commencer à prêcher, on prêche comme ça, comme ceci. Il a commencé à m'expliquer comment on prêche. Okay. Puis il m'a donné même un exemple, il m'a montré comment je peux faire. Il avait pris l'exemple sur Noé. Il m'a expliqué, bon, je saute, hein, j'explique un peu en gros. Il m'a donné des détails, regarde, tu peux faire ça, regarde, le message comme ça. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Et ce qui est bizarre et ce qui est grave, c'est que j'ai commencé à écrire. Et je ne me rendais pas compte personnellement. Puis après, il est sorti, il est parti. Mais après un moment, c'est comme l'intelligence. Hein, je me dis, bon, c'est qui était là? Mm-hmm. J'étais en train de faire quoi? J'ai dit à maman, vous avez vu la personne qui était là? Elle m'a dit, non, mais nous sommes qu'à deux. Tu parles de qui? Wow. J'ai dit, non, mais j'étais avec quelqu'un ici qui était en train de m'expliquer. Tu parles de qui? Non, nous sommes qu'à deux, toi et moi. Nous sommes. Et après, l'esprit vient de me convaincre que non. C'est un être céleste qui est venu m'apprendre ou me parler, yes, de comment je dois prêcher, où je suis appelé à enseigner, à parler de la part de Dieu. Très bien. Ce qui devient encore plus grave. Demain, il y a culte. Je ne suis pas au programme. Mm-hmm. Je n'ai jamais prêché dans la grande assemblée. Mm-hmm. Je prends ma Bible. En plus, c'était un culte qui était avant midi. Okay. Je prends ma Bible. Je me dirige. Je pars à l'église. J'arrive. Le pasteur me voit. Il me dit, Alcan, c'est toi qui prêches aujourd'hui. Wow. Sans une préparation, je ne me suis pas préparé. Je prie que ce que l'homme m'avait dit, ce que j'avais retenu, et c'est ce que j'avais prêché ce jour-là. Wow. Je prêchais, je suis arrivé 15-20 minutes, c'est toute l'église qui était par terre, il y avait une forte gloire. Wow. C'était le départ de mon ministère. Appel à la prédication, à l'enseignement. C'est comme ça qu'on a beaucoup cheminé avec... avec le Seigneur, après des années, j'étais tellement engagé dans la prière, dans beaucoup de consécrations. Je me rappelle une fois, j'ai fait un songe extraordinaire, mm-hmm, où j'ai vu même le ciel s'ouvrir. Et j'ai entendu une voix du Seigneur qui me disait que « Va, je t'envoie, va prêcher le salut. Wow. Tu dois parler de ma part. » J'étais comme étourdi dans ce songe-là. Puis après, je me suis réveillé. C'est comme ça que j'ai eu plusieurs choses, des expériences comme ça spirituelles avec le Seigneur. Wow. Appelé à la parole. La parole. Appelé à prêcher les saluts, à prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il me disait que je reviens. Et ce qui est grave, c'est que quand il me disait je reviens, il me disait ceci, je reviens demain. Oh. Je reviens demain. Je me dis, le demain là c'est quand? J'ai essayé... Étant docteur, j'ai lu la Bible, j'ai vérifié beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai fait un peu de nuances, de demain ça peut dire quoi, tout ça, nous sommes l'an 2000, nous sommes ceci. J'essaie un peu de faire des correspondances, un jour, mille ans aux yeux de Dieu, c'est un jour. J'essaie un peu, et puis je dis, je reviens demain. Je me dis tout le jour, je me dis, je dois me préparer, parce que demain, pour Dieu... c'est pas trop loin. Mais pour nous, ça peut être loin, mais on doit d'abord travailler. C'est ça mon histoire. Et c'était à Lubumbashi particulièrement. D'accord. Et après, de moments, je n'avais jamais rêvé d'être à Kolwezi. Mm-hmm. En tout cas, c'était jamais dans mes pensées. Mais à un moment donné, après que j'ai fini mes études, après que j'ai fait encore des expériences avec le Seigneur sur l'université de Lubumbashi, parce que je prêchais dans les auditoires, j'étais aussi actif sur l'université concernant la parole. Alors, après les études, à un moment donné, moi, je pensais à autre chose. Le Seigneur m'a dit, tu dois aller à Kolwezi. Mm-hmm. Je me suis dit, mais comment? Et Dieu a ouvert une voie et je me suis retrouvé à Kolwezi. Et réellement, quand je me suis retrouvé à Kolwezi, j'ai compris que Dieu me voulait ici. Ah oui. Et l'œuvre de Dieu continue. Non, mais gloire à Dieu. En tout cas, je suis très content de découvrir cette facette de vous et surtout ce parcours. Okay. Parce que beaucoup aujourd'hui commencent des églises par un coup de tête. Comme je le disais dans une émission, ils regardent juste l'aspect du pasteur.
J'ai dit, bah, le pasteur il est en costume, donc moi aussi je peux devenir pasteur. Voilà, il roule carrosse, il faut aussi rouler. Donc si, comme la Fungula Kanisa, ce sont les offrandes qui vont nous aider. Mm-hmm. Et on comprend qu'il y a, il faudrait un appel. Hein. Il faudrait fait. Un appel à tout ça. Mm-hmm. Mais moi j'ai une question, parce mm-hmm. que souvent, je crois que vous êtes la deuxième personne que je reçois sur ce plateau, okay. enfin, la troisième d'ailleurs, ouais. qui me parle du fait que voilà, leurs parents étaient chrétiens. Ouais. Et on peut comprendre que leur parcours ouais. a été un parcours pas si difficile, parce que quand j'y parcours, je veux dire... l'enfance ou quoi que ce soit okay. n'a pas été tourmentée, un mm-hmm. peu comme on peut comprendre à l'adolescence, et voilà, et l'entourage aussi. On comprend que vous, le fait que vous veniez d'une famille chrétienne, ça fait à ce que voilà, vous avez grandi comme il faut. Mais alors, quel est ce secret exactement? Parce que ce n'est pas tout le monde qui naît d'une famille chrétienne. Oui. Un peu comme dans une des émissions, un pasteur me disait, oui, tu peux être chrétien sans avoir déclarer que voilà, je reçois le Seigneur comme tout ça là, bref. Parce que lui, okay. par exemple, il ne l'a jamais fait. Il vient d'une famille chrétienne et, c'est un pasteur aujourd'hui. Okay. Et lui, il n'a jamais fait ça. Pour lui, il se dit depuis qu'il est petit, mm-hmm. Il a toujours servi le Seigneur, il a toujours connu le Seigneur. Bon, après, peut-être c'est une expérience personnelle avec lui. Yeah. Et vous, quel est finalement ce secret? Le secret okay. dans le sens où vous venez d'une famille chrétienne, mais vous avez eu apparemment une vie assez exemplaire. Voilà, quel est le grand secret? Parce qu'il y a ceux aussi qui viennent des églises, des familles chrétiennes, mais qui sont un peu perturbés. Voilà, et ils ont toujours une histoire. Voilà, dans un futarabangé, il fallait exactement que j'en mette. Quel est le secret que vous avez eu, qui vous a permis de vous maintenir? Je dirais que venir d'une famille chrétienne ne garantit pas le salut. Oui. Et venir d'une famille chrétienne, en fait, c'est juste une culture. Mm-hmm. C'est une culture qui est aussi un avantage, mm-hmm. mais ça ne veut pas dire que si tu viens d'une famille chrétienne, tu es chrétien. Okay. Parce que tu dois arriver à l'âge de la décision mm-hmm. et du choix personnel mm-hmm. et de la confession. Okay. Parce que si l'autre lui l'a dit comme ça, je crois qu'il a expliqué dans un autre sens, mais ce qui est vrai, mm-hmm. c'est qu'il faut arriver à un temps de choix, des décisions personnelles. Okay. Parce qu'on est dans une culture, c'est comme ça qu'on nous a enseigné par le parent mm-hmm. que nous devons aller à l'église. Vous voyez? Mais en grandissant, on découvre que ce n'est pas l'église qui sauve. C'est qu'il doit y avoir un engagement personnel. Mm-hmm. Et lorsque nous sommes arrivés, moi personnellement, je suis arrivé à ces temps-là, mm-hmm. alors j'ai fait un engagement personnel au-delà de ce que j'ai reçu de mes parents. Mm-hmm. Accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je pouvais le chanter, je pouvais être à l'église, je pouvais servir, mais est-ce qu'il était vraiment mon Seigneur? De toute conscience, de toute volonté? Non. Mais à un moment, je me dis, non, je viens de comprendre qu'un Seigneur, c'est comme ça, il est mort pour moi. Je le choisis. Je le veux de continuer à parcourir avec lui. Mais pasteur, pensez-vous qu'il est obligatoire, docteur, permettez de le dire, excusez-moi, oui. est-ce qu'il est vraiment obligatoire de le confesser à haute voix ou oui. De vive voix. Oui. Par contre, bien ça peut peut-être juste être une décision personnelle de l'intérieur, oui. par exemple, dans le sens où, comme le pasteur lui l'a dit, okay. donc voilà, il est né dans une famille chrétienne, peut-être c'était une culture, il a oui. vécu dans ça. À un moment, il se dit, voilà, je dois vraiment servir Dieu. C'est une prise de conscience comme ça, il se dit, voilà, je dois le servir. Mm-hmm. Et il n'a jamais confessé, comme on le dit, après ton baptême, j'ai confessé, tout ça là. Mais est-ce que c'est okay. possible aussi de... Est-ce qu'il faudrait nécessairement de non. vivre voix ou bien on peut le faire... Ce qu'il faut comprendre, mmh. c'est que tout commence de l'intérieur. Okay. Ça veut dire, même si ça ne sort pas par la bouche, mais ça doit être de l'intérieur. Mmh. C'est du cœur. Vous voyez, mmh. quelqu'un peut le confesser dans son cœur, mais il ne l'a jamais dit comme ça. Exactement. Le problème, c'est quoi? Cette confession, on l'adresse à qui? Mmh. Au Seigneur, bien à sûr. Jésus lui-même. Mm-hmm. Ce qui veut dire, je n'ai pas besoin de foi que vous l'entendiez. D'accord. C'est moi et mon Seigneur. D'accord. Je crois que même cet homme de Dieu, même de son intérieur, il le confesse, il le sait. Exactement. Même nous tous, tous les jours que nous sommes chrétiens, nous confessons Exactement. Que Jésus est notre Seigneur et notre le Sauveur. Sauveur. Ouais, on n'a pas besoin que les gens l'entendent. Exactement. Mais c'est personnel, c'est entre Dieu. Dieu lui-même sait ceux qui lui appartiennent. Exactement. Vous voyez, je n'ai pas besoin que les gens sachent. Exactement. Ils peuvent le voir par les œuvres, mais Christ sait que je confesse dans mon cœur qu'il est
mon Seigneur. Voilà, je crois que c'est une réponse. C'est une question plutôt à laquelle j'attendais toujours une réponse. Okay. Je crois que ce soir, vous l'avez donné la réponse. En tout cas, merci beaucoup de nous parler un peu de votre côté appel et tout ça. Et on trouve que ça quand même édifie quelqu'un. Je crois deux ou trois personnes qui nous suivent et peut-être qui se posent la question, qu'est-ce que je dois faire face à tel songe, à tel rêve, quoi que ce soit. Okay. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de vous. Merci. On va revenir avec la rubrique exactement « Je t'enseigne ». Et ça sera après cette transition. Voilà, nous voici de retour pour exactement la rubrique « Je t'enseigne ». Alors docteur, vous nous avez proposé un thème, comme je disais à l'entame de mes propos, encore au début de l'émission. C'est vraiment un thème qui va, j'espère, qui va vraiment édifier quelqu'un qui s'appelle chrétien aujourd'hui, hein, qui se dit chrétien, parce qu'on a comme l'impression que la chrétienté, comme je le disais un peu plus tôt, est une belle identité. Donc, tu es qui? Je suis chrétien. C'est être païen n'est plus à la mode, hein, comme quelqu'un le disait. Être païen est très démodé. Donc, aujourd'hui, et que tu aies une vie de désordonnée, mais quand on te pose la question, qui es-tu? Tu dis, ouais, je suis chrétien. Est-ce que tu... Oui, je suis chrétien. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, beaucoup de dépravations et consorts, dans même le chef des chrétiens, beaucoup d'abus aussi. Alors ce soir, vous avez choisi un beau thème, moi, que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Et je crois qu'il va beaucoup nous bénir ce soir. Vous avez dit le caractère, n'est-ce pas, d'un chrétien. Alors de quoi il s'agit? En tout cas, ce thème, même moi-même, ça m'a béni déjà en ayant l'inspiration. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, certainement, il y a des dépravations. Qu'est-ce qu'être chrétien? Est-ce que c'est aller à l'église? Est-ce que c'est aller à la prière? Est-ce que c'est un mouvement? Non, même pas. Et d'ailleurs, avant que le nom chrétien ne soit, les apôtres dans l'église primitive ne s'appelaient même pas comme ça. Ils s'appelaient les disciples, ils s'appelaient les saints, ils s'appelaient les séparés. Il y avait plusieurs identités autour des apôtres, des disciples eux-mêmes. Mais dans la Bible, vous voyez ça, c'est à partir de Actes des Apôtres 11, Actes des Apôtres 11, 26, que particulièrement qu'on a dit, c'est pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Ça veut dire que c'est pour la première fois que l'aspect officiel du terme est entré en jeu. Mais vous allez voir que ce n'est pas entré en jeu au début. C'était en l'an 43, pratiquement, après Jésus-Christ. Je dirais 10 ans après que Jésus soit parti, c'est alors qu'on a commencé à les appeler chrétiens. Ça veut dire, premièrement, il y avait un constat. Ils ont constaté, et d'ailleurs c'était les païens, ils ont constaté que ces gens font comme Christ. Très bien. Ces gens, ils sont comme Christ, vous voyez. Et j'aime un commentateur qui a dit, au fait, quand on parle de chrétien, on voit la messianité de Christ. Okay. On voit son caractère de messie, son caractère du roi qui vient pour sauver. Vous voyez un peu? Alors, si aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est que nous sommes porteurs de cet homme qui sauve. Et être déjà chrétien, ça nous soumet à certaines caractéristiques qui sont importantes pour notre vie. Sans cela, on peut aller à l'église sans être chrétien, vous savez. On peut prier sans être chrétien. Ça, c'est un problème. Parce que beaucoup de gens croient que être chrétien, c'est appartenir à une congrégation. Non, 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 ça n'a jamais... C'est pas ça. C'est pas ça. Être chrétien, c'est une vie dans laquelle on trouve Christ lui-même. Très bien. C'est une vie où Christ lui-même est bien vu. C'est comme ça que dans cet exposé, je voulais partir des synoptiques, des livres, hein, les évangiles, et puis pour vous présenter quand même quelques caractéristiques ou le caractère, c'est qu'un chrétien doit être. Très bien. Et si tu me suis, tu n'as pas ça, en tout cas. Remets-toi en cause, quoi. Oh, évidemment, évidemment. En tout cas, je suis tellement biblique, je vais fusionner les synoptiques, c'est que Matthieu, Luc et Marc, pour présenter le caractère. Il y en a beaucoup, mais je vais quand même aller rapidement. C'est que premièrement, un chrétien, il doit être baptisé du Saint-Esprit. Okay. En tout cas, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ça, c'est un problème. Et il y a deux versets bibliques, quand vous êtes dans Matthieu 13, 11, c'est que... On peut lire? Oui, vous pouvez. Alors, Matthieu 13, 11, la parole de Dieu nous dit... Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, que cela ne leur a pas été donné.
Je continue. Continue un peu. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Non, apparemment, j'ai mal pris le verset. D'accord. Le verset en soi dit ceci. Mm-hmm. Moi, c'est Jean-Baptiste qui est en train de dire, moi je vous baptise d'eau et tout, c'est lui qui vient après moi et vous baptisera. Ah oui, voilà, mm-hmm. du feu et tout ça. C'est là que je suis en train de dire que un chrétien doit être baptisé du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, parlant du baptême du Saint-Esprit, on nous parle de fait d'être greffé, d'entrer dans la famille, d'être un corps. Mm-hmm. C'est un courant est en train de l'expliquer comme ça. C'est qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas chrétien. Wow. Je peux donner encore. Ouais. C'est qu'un chrétien, il se répand à la prédication de l'Évangile. Très bien. Ça veut dire qu'il a un cœur repentant, métanoïa, il regrette sa mauvaise vie passée et il change pour suivre la voie du Seigneur selon l'Évangile. Si toi, tu ne regrettes jamais mm-hmm. de ta mauvaise vie passée, en tout cas, tu dois te remettre aussi en cause. Ouais. Ça, c'est un problème. Exactement, un chrétien, il quitte tout pour suivre son maître et renonce à lui-même. Très bien. Si on ne renonce pas à soi-même, il y a tellement de versets, parce que si on doit lire, ça va nous prendre beaucoup mm-hmm. de temps. Si on ne renonce pas à soi-même, il est difficile d'être chrétien. Pourquoi? On ne peut pas être chrétien, on vit selon soi-même, et puis on suit Jésus-Christ. Non. Il faut d'abord renoncer, il faut tout abandonner et suivre Christ. Si tu n'abandonnes pas tout, en tout cas, tu n'es pas chrétien. Mm-hmm. Ça veut dire, ta vie passée et ta vie actuelle, la vie actuelle doit dépendre de Christ. C'est Christ qui devient le maître, c'est Christ qui devient ton dirigeant. Ça ne dépend plus de toi-même. Tu renonces à toi-même, à tes désirs, à tout ce que tu voulais, mais tu entres maintenant dans le désir de Christ. C'est que lui le veut pour toi. Vous voyez? Ça, c'est un de caractère aussi très important. Il y a, c'est que, je veux parler de béatitude aussi, c'est ouais. qu'un chrétien, il a l'esprit de pauvreté. Je parle de l'esprit. L'esprit. Je parle de l'esprit. Ça veut dire qu'il ne se vante pas okay. d'avoir tout, de ceci, de cela. Il se sent faible, il n'en a pas. Okay. Et il court vers le Seigneur. Il a besoin du Seigneur. Mm-hmm. Vous voyez ce caractère-là. Alors, aujourd'hui, vous allez constater que l'Église et les chrétiens, entre guillemets chrétiens, ils ont de l'orgueil. Ben oui, de posséder, de la spiritualité. Ils se prennent tout ceci. Non, même pas. Il faut avoir l'esprit de pauvreté. Heureux, les pauvres en esprit. Est-ce qu'on a encore les pauvres en esprit? Oui. Ça, c'est un problème. C'est qu'un chrétien, il est consolé, il est bon, il a faim et soif de la justice. Vous voyez? C'est que tout le jour qu'il vit, il veut voir la justice s'accomplir. Et non pas tu es dans un milieu où on vole, tu t'associes au vol, tu fais comme eux. Non, c'est ça, c'est pas être chrétien. Vous voyez? La soif, tu veux voir la justice, tu veux vivre la justice des dieux. Vous voyez? Et la justice ultime, c'est quand il reviendra lui-même. Amen. Nous devons avoir cette soif tout le jour de notre vie. Vous voyez, j'ai envie de dire amen, amen. Non, allez-y. En tout cas, il est le chrétien, il est le sel de la terre. Il est la lumière du monde. Ça veut dire, le chrétien étant sur la terre, il doit être la lumière pour les autres. Il doit montrer aux autres le chemin. Très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu me suis, est-ce que tu es la lumière pour les autres? Est-ce que tu es le sel sur la terre? Beaucoup de gens y vont à l'église, mais personne ne peut les imiter. Ils ne sont modèles de personne. Ils ne sont pas modèles. Ça, c'est gravissime. Normalement, parce que là où il y a la lumière, tout le monde accourt. Yes. Quand tu es la lumière, tu es une voix pour les autres. Bien sûr. C'est un des caractères d'un chrétien. Mm-hmm. C'est que nous sommes là pour être la lumière. Vous voyez? Un chrétien n'est pas les ténèbres. Ah oui. Christ lui-même, il est la lumière. Il habite en nous. On devient aussi astre brillant. Nous sommes également la lumière. Très bien. Je vais ajouter encore quelque chose. C'est qu'il pardonne généreusement à ses ennemis. Est-ce qu'un chrétien, aujourd'hui, est-ce que nous pardonnons? Parti là. Vous voyez? Et vous savez, quelle que soit la gravité du problème, quel que soit ce qui arrive, un chrétien doit pardonner. C'est comme ça que Jésus avait donné un calcul très compliqué, 7 fois, 77 fois. C'est pour vous dire que ça doit être infini. Quelqu'un m'a posé une fois la question, je dois pardonner combien de fois? Non, il m'a fait la première fois, la deuxième fois. Non, il n'y a pas de limite. En tant que chrétien, nous, Jésus, quand il était sur la terre, on lui a fait combien de choses qui étaient mauvaises? Ah oui. Mais à la croix, il a dit quoi? Père,
pardon, l'heure. Vous voyez? C'est que nous sommes appelés aussi à vivre la vie de Christ en nous. Nous devons pardonner. Ça, c'est tellement utile. Autre chose, c'est qu'il est détaché des choses de ce monde. Mm-hmm. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne sont pas détachés du monde. Ils sont toujours attachés. Ils sont attachés à la mode, ils sont attachés à beaucoup de choses dont un chrétien ne pouvait pas. Parce que le roi de ce monde, ou celui qui dirige le monde, le prince de ce monde, jusque-là, c'est le diable. C'est que si vous êtes attaché au monde, vous avez une part du diable. Mais ce que j'aime avec Christ, il dit, voici le prince de ce monde vient, mais il n'a rien. En moi, il n'y a rien qui lui appartient. C'est que si vous avez une part dans le monde, vous avez quelque chose qui appartient à qui? Au prince de ce monde. Et automatiquement, là, vous n'êtes pas chrétien. Ça veut dire, il n'y a pas, si tu n'es ni chaud ni bouillant, on t'est vomi. Il faut choisir une seule chose. Exactement. Ça, c'est un caractère également très, très important. Il recherche le chrétien. Il recherche avant toute chose le royaume de Dieu et sa justice. J'ai encore parlé de la justice. Il ne juge pas. Il ne juge pas. Nous sommes là en train de juger les pasteurs. Nous sommes là en train de juger les frères et sœurs. Nous sommes là, nous sommes. Est-ce que c'est notre rôle? Ce n'est pas notre rôle. Vous voyez? Nous, nous sommes là à nous présenter comme la lumière. La justice, c'est lui qui l'applique. C'est Jésus lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Il y aura un tribunal à la fin de toute chose. Vous voyez? Nous, nous devons être ce que nous devons. C'est que Dieu ou Christ attend de nous. Vous voyez? C'est tellement important. C'est qu'il ne se contente pas d'écouter les paroles de Jésus. Mais il les met en pratique. Très bien. La pratique est utile. Mm-hmm. Combien de gens écoutent la prédication? Combien mettent cette parole en pratique? En pratique. Très peu de gens. Et j'ai entendu même un pasteur qui disait, dès que les gens sortent, ils oublient déjà ce qu'on a prêché. Ah, oui. On ne prend plus la parole de Dieu à cœur. Mais un chrétien, en qui a Christ, il saisit la parole et il met cette parole en pratique. Aujourd'hui, la prédication est presque partout sur les réseaux sociaux et partout. Mais combien de gens mettent ça en pratique? Ah, oui. Est-ce que nous sommes réellement chrétiens? C'est aussi un problème. Alléluia. Amen. Il prie avec persévérance. Quand vous êtes dans Matthieu 7:7, un chrétien, c'est quelqu'un qui prie avec persévérance. Des fois, vous voyez aujourd'hui des gens qui se lamentent. Déjà, qu'il est parti 3-4 fois, il prie pour le boulot, il n'a pas trouvé, il abandonne, il dit, bon, dans cette église et tout ça. Mmh. Non, mais même Christ nous a appris la persévérance. Mmh. Un chrétien, c'est quelqu'un qui persévère. Et d'ailleurs, parlant de la persévérance, il n'y a pas seulement la prière. Mais la Bible dit, les apôtres, ils persévéraient dans les enseignements, dans la fraction. Donc, nous sommes appelés à une certaine persévérance. Et même en attendant le retour de Christ, nous devons persévérer sur son chemin. C'est long qu'il est en train de nous conduire. C'est important. Sans persévérance, je ne crois pas qu'on doit être appelé chrétien. Vous voyez un peu? J'ajouterai également, il confesse le nom de Jésus-Christ. Comme la question que vous avez posée, en tout cas. Il demeure ou redevient humble comme un petit enfant. L'humilité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est humble. L'humilité. Est-ce que nous sommes encore humbles aujourd'hui? Vous savez, l'humilité n'est pas le langage, hein, de foi. L'humilité, c'est toute notre vie. Bien sûr. La manière dont elle s'exprime. Et ce n'est même pas à nous de dire, tu vois, je suis humble. Non, non. C'est eux, c'est le monde qui va voir que là, il est, en humble. Tout cas, cet homme est humble. Et quand il y a des circonstances qui arrivent, on regarde, on se dit, il est humble. Je crois que dans les synoptiques, j'aimerais dire quelque chose sur Jean. Mm-hmm. Jean, il a dit aussi quelque chose. Dans Jean, beaucoup plus Christ est en train de se présenter lui-même comme la parole. Yes. Vous voyez? C'est que c'est lui-même comme le modèle. Mm-hmm. Et j'ai repris quelque chose, c'est que un chrétien, il croit en Jésus-Christ. Mm-hmm. Il a la foi ferme en cet homme de Jésus-Christ. Il croit en sa parole. Il sait que Christ reviendra le prendre et il se prépare. Mm-hmm. Un chrétien. Si tu ne te prépares pas, si tu n'as pas l'assurance que Christ reviendra, en tout cas, je ne crois pas que tu es chrétien. Ah oui. Vous voyez? Cette assurance doit demeurer. Mm-hmm. Il reconnaît Jésus-Christ comme berger. Il le suit. Ça veut dire, c'est lui qui conduit ses pas, c'est lui qui lui montre le chemin, c'est Jésus. Yes. C'est Jésus-là demeure où? En lui.
dans son cœur. Mm-hmm. Vous voyez? Également, lui, là, le chrétien, il demeure en Jésus. Mm-hmm. Vous voyez? Si tu ne demeures pas en Jésus, tu es en autre chose. En tout cas, tu es à côté. Tu n'es pas chrétien. Vous voyez? Il se nourrit de Jésus. C'est là que Jean est en train de parler. Il est le pain de vie. Ah oui. Vous voyez? Jésus-Christ est une nourriture. Il a soif de Jésus. Il veut être avec lui. Il veut communier avec lui. Il veut le servir. Il veut marcher avec lui. Sans Jésus, il ne peut pas. Jésus, il est sa vitalité. Si on est chrétien, Jésus est notre vitalité. Sans Jésus, on est mort. D'ailleurs, là, je dirais même quelque chose, c'est que nous, nous sommes morts. La vie que nous avons, c'est la vie de Jésus. Yes. Vous voyez? Arrêtez-moi si j'ai le temps. Non, c'est bon. Ok. C'est il bon. A l'esprit d'unité à Christ. Mm-hmm. Dans toute chose, il est uni à Christ. Même dans les décisions à prendre, il consulte Christ. Son Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire là? Il se réveille le matin, il demande, Seigneur, je veux marcher comment? Mm-hmm. Je dois aller où? Je dois commencer par où? Ça, c'est ça un chrétien. Vous voyez? Ça, c'est Jean qui est en train de nous présenter ce caractère comme ça. Mais j'ai aimé aussi Luc, la manière dont il a présenté Luc dans l'histoire de Actes des Apôtres, comment il est en train de présenter. Il dit, le chrétien est l'homme qui a connu la repentance. Ah oui. Quelqu'un qui a connu la repentance. Dans le terme repentance, métanoïa, il y a le changement des mentalités. Il n'a plus la mentalité d'autrefois. Il a maintenant la mentalité de Christ. Laquelle mentalité ne lui permet pas d'agir ou de faire comme autrefois, mais il fait de nouvelles choses selon la nouvelle mentalité, la mentalité de Christ. Quelle est notre mentalité aujourd'hui? Vous voyez? Quelqu'un allant à l'église et rien ne change. La mentalité doit changer. Un chrétien a la mentalité de Christ. Le chrétien mène entre eux la vie des fraternités. Vous savez, la fraternité n'a rien à voir avec notre famille ou avec le gens seulement avec qui nous prions ou selon la congrégation. Et je dirais aussi ceci, au ciel, il n'y aura pas de congrégation. Au ciel, il y aura les enfants de Dieu, le chrétien ou les disciples de Christ. Des fois, les congrégations nous divisent pendant que nous sommes frères. La fraternité doit animer notre cœur dans notre vie de tout le jour, dans notre manière de réagir. Tant que Jésus est au milieu de nous, il demeure en nous, il est notre Seigneur. Yes. Nous devons vivre comme des frères. Vous voyez? Le chrétien, il rompt le pain et là, c'est la communion fraternelle. Il mène une vie surnaturelle. Ok. Au début, j'étais en train de parler du Saint-Esprit, du baptême. Exactement. C'est qu'un chrétien aussi, il est surnaturel. L'Esprit en lui, il vit des choses extraordinaires avec le Seigneur. Dieu lui parle, il a des expériences, il a des apparitions. Dieu le visite, il peut prier pour le malade sont guéris. Il y a des choses comme ça qui l'accompagnent, des choses surnaturelles. Il y a des dons spirituels également qui l'accompagnent. Vous voyez? Le chrétien est justifié par la foi. C'est que sa foi l'amène à la justification. La foi en quoi? En Jésus-Christ, selon qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il est justifié de tout son péché et il est enfant de Dieu, il est de la famille de Christ. Amen. Amen. Ah, voilà. Ok. Je peux le dire également si j'ai encore le temps. Deux minutes. Deux minutes seulement. Ok, je vais courir. Selon Paul, comment il a parlé de un chrétien, son caractère, c'est qu'il doit être. Paul, lui, il dit, le chrétien est l'homme appelé à être saint. Appelé à être saint. Le mot saint veut dire mis à part, à l'écart. Ça veut dire si tu n'es pas mis à part, si tu n'es pas à l'écart du monde, si tu n'es pas chrétien. Donc tu dois être à l'écart de tous. C'est de même le mot église, ecclésia, ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est ça le chrétien. Hors d'eux, avec un seul Seigneur, avec un seul roi, qui est Jésus-Christ. Vous voyez, il est pardonné et régénéré par la foi en Jésus-Christ. Très bien. Et c'est lui-là le chrétien. Et tout ça, je vous dis, ça s'accomplit lorsque la personne accepte Christ
comme son Seigneur et son Sauveur. Je crois que je m'arrête pas là. J'ai dit beaucoup de choses à la fois. Oui, beaucoup de choses, mais très important. Okay. En tout cas, il y a beaucoup. Mais moi, j'aimerais quand même mettre un accent sur quelque chose de très important. Oui. Parce que vous avez commencé avec cette chose-là. Oui. On parle du caractère ou encore du fait qu'un chrétien devait être baptisé de l'Esprit. Oui. Je sais que c'est un autre thème aussi. Exactement. C'est notre histoire. Okay. Mais j'aimerais que ce soir, que vous puissiez... Parce qu'après, on ne sait pas comment est-ce qu'on est baptisé. On sait comment on est baptisé de l'eau, okay. N'est-ce pas? Mais de l'Esprit, oui. Là, c'est autre chose. Pour okay. certains, être baptisé de l'Esprit, okay. peut-être c'est un parler en langue ou encore, je ne sais pas. Bref, oui. Alors quand est-ce qu'on est sûr? Parce que puisque c'est la première qualité, la première caractéristique, oui. quand est-ce qu'on est sûr que... on est baptisé de l'Esprit, en fait. Quand est-ce qu'on est sûr qu'on est baptisé de l'Esprit? En fait, il y a des choses qui se passent ou qui se font instantanément quand on donne sa vie à Christ. Au même instant qu'on donne sa vie à Christ, on devient enfant de Dieu, on est régénéré. Dans la régénération, il y a l'œuvre de l'Esprit. D'abord, ce qu'il faut savoir du Saint-Esprit, c'est que c'est le Saint-Esprit qui suscite dans l'homme le besoin de donner sa vie à Christ. Okay. Il est difficile à un homme de venir comme ça de soi. C'est le Saint-Esprit qui réveille en l'homme le sens que tu as besoin d'être sauvé. Et déjà là, il commence l'œuvre. Et quand l'homme se donne totalement, il y a la régénération. Ça veut dire il est transformé, il entre dans la vie, dans la famille de Christ, il est rempli du Saint-Esprit, il est régénéré. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est par l'Esprit que ça se fait. Vous voyez? Et c'est en ce moment-là également qu'il y a le baptême de l'Esprit. Okay. Mais je me réexpliquer ça parce qu'il y a des courants et des compréhensions. S'il vous plaît, 1 Corinthiens 12, 13. Si nous lisons 1 Corinthiens 12, 13, la Bible dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former... » Regardez l'objectif. L'objectif, c'est que pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, tous pour former quoi? Un seul corps. Un seul corps. Alors, il y a des courants qui expliquent tel que le baptême arrive qu'une seule fois, au moment de la régénération où on donne sa vie à Christ et on fait partie du corps de Christ. Il y en a qui disent que le baptême est quelque chose qui peut revenir à plusieurs reprises, à des moments où il y a une très forte manifestation qu'on appelle baptême du Saint-Esprit. Alors, sur ce plateau, je ne veux pas donner ma position à moi, parce qu'il y a plusieurs congrégations, et surtout, il y a plusieurs confessions de foi qui nous suivent. Alors, moi, je dis seulement les deux choses. Il y en a qui croient, mais je dis d'abord... Personne, au niveau de la croyance, quand il donne sa vie à Christ, ne peut faire partie du royaume s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que je retiens du baptême de l'Esprit? Du baptême de l'Esprit, d'abord. Comment on le sent? Parce que, déjà, au départ, vous dites que le Saint-Esprit nous amène à la conversion. Donc, vous dites nous amène à confesser. Okay. Mais aussi, une fois confessé, on reçoit le baptême maintenant de l'Esprit. Okay. Mais quand est-ce, comment on sent qu'on est baptisé de l'Esprit? En quelques secondes. Au fait, peut-être que vous n'allez pas assez les sentir. Okay. C'est juste une décision. Spirituellement, de choses changent. Ah, d'accord. En ce moment-là, ce n'est plus vous qui vous dirigez. C'est le Saint-Esprit prend le contrôle de votre vie. Vous pouvez les sentir ou non. Okay. Parce que la sensation ou les ressentis peut nous tromper dans le monde de la spiritualité. Vous voyez? Parce que quand vous parlez de sentir, vous parlez du corps. Oui, quelque chose peut se passer en esprit. Encore un esprit aussi. Quelque chose peut se passer en esprit sans que le corps ne sente l'impact là. Donc ça peut venir après. D'accord. Ça peut se passer après. Vous voyez, c'est comme ça qu'il y a des gens même dans la parole de Dieu qui avaient déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui ne parlaient pas en langue. Ah oui. Ou qui n'étaient pas assez remplis. Dans le parler en langue, ce n'est pas le baptême de l'esprit. Oh, non, 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 non. Ah, mais donc, je crois que... ça devient compliqué. Je vais vous ramener sur ce thème prochainement. Ok, en tout cas. C'est quand même important, il faudra en parler. Hein. Oui. Il y a le baptême de l'eau, le baptême de l'esprit. Exactement. Ça porte un peu à confusion de nos jours. Tout à fait, il faut bien éclaircir. Il faut bien éclaircir. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir édifié, encore éclairé sur ce qui est un bon chrétien, sur ce qui est le caractère d'un bon chrétien. Oui. Je crois qu'on l'a tous noté, je crois que ceux qui nous suivaient aussi ont pris leurs notes et finalement, certains se sont retrouvés dedans. Oui. Et peut-être d'autres vont se retrouver après ce message dedans. Oui.
Et en tout cas, merci beaucoup pour ce message. Merci. Nous allons quand même passer à la prochaine rubrique qui sera celle de prier. Okay. Peut-être de prier pour ces personnes qui se croyaient chrétiens. Parce que vous l'avez dit, on peut être dans une église, on va à l'église, mais on n'est pas chrétien. On tout peut bien. Chanter, mais on n'est pas chrétien. Tout on peut faire ceci, mais on n'est pas chrétien. Alors j'aimerais que pendant ce moment de prière, que vous puissiez peut-être orienter votre prière vers toutes ces personnes. Bon, vers le Seigneur, mais pour toutes ces personnes qui n'ont pas compris quelle était leur identité, quelle était leur réelle identité et quel était le caractéristique d'un bon chrétien. Et durant la prière, peut-être vous allez aussi demander à ce que le Seigneur puisse les ramener sur le bon chemin et ramener leur conscience à exactement devenir un bon chrétien. Ça sera pour cette transition. Voilà, nous voilà de retour, docteur. En tout cas, on va passer à ce moment de prière. En tout cas, vous priez et on espère que votre prière va changer une vie ce soir, une âme ce soir et va remettre quelqu'un sur le chemin. Voilà. À vous le micro. Merci, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous avons eu de fausses conceptions, nous avons mal compris. Peut-être certains, on les a mal enseignés. Et ils n'ont pas compris comment ou qu'est-ce qu'être chrétien. Aujourd'hui, nous comprenons qu'être chrétien, c'est te porter, c'est être dirigé par toi, c'est se soumettre, c'est renoncer à soi-même, c'est être sur sa voie, c'est être la lumière du monde. Aide à quelqu'un qui est en train de nous suivre à vivre la repentance, à changer de mentalité, à te ressembler. Amen. À marcher convenablement comme toi tu le désires. Amen. À être la lumière. Amen. À être quelqu'un qui pardonne. Yes. À être quelqu'un qui est pauvre en esprit. À être quelqu'un qui est humble. Mm-hmm. À être quelqu'un qui a de la persévérance. Très bien. À être quelqu'un qui a une foi en Jésus-Christ selon l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Amen. Seigneur Dieu, aujourd'hui dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Des fois, on passe à côté de l'essentiel. Mm-hmm. C'est que je sais. Tu n'as pas besoin de bâtiments. Amen. Tu n'as pas besoin des instruments, de beaux temples. Mmh. Tu as besoin des hommes. Mmh. Tu as besoin de nous. Si nous ne sommes pas ce que tu attends de nous, c'est que nous passons à côté. Yes. Aujourd'hui, nous venons à toi afin que nous soyons ce que tu attends de nous. Amen. De vrais chrétiens. Des vraies personnes qui te portent. Des vraies personnes qui dépendent de toi. Qui dépendent, Seigneur Dieu de gloire, de ta parole. Mmh. Et qui sont à ton service. Des personnes qui sont détachées du monde. Mm-hmm. De personnes qui sont à l'écart. De personnes qui sont saintes. Yes. Je prie au Dieu de gloire que nous ne soyons pas mêlés dans ce vent, dans ce mouvement actuel. Mm-hmm. Mais je prie à ce que Dieu de gloire, nous soyons à l'écart pour amener la lumière aux autres, à les amener sur la bonne voie, à te découvrir et à que eux aussi soient comme toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Qu'on soit de modèles véritables. Comme Paul est en train de le dire à Timothée, sois un modèle dans ta conduite, dans la parole, dans la pureté. Qu'on soit de vrais modèles. Mm-hmm. Parce qu'un chrétien, c'est un modèle. Il est comme Christ, il fait comme Christ et les autres le suivent. Permet à ce que nous n'allions pas à l'église, Seigneur, pour de l'apparence, mm-hmm. mais que nous allions pour se nourrir de ce que nous sommes comme chrétiens et que nous puissions croître convenablement. Amen. Devant toi et devant les hommes, être de modèle. Et le jour où tu reviendras, que nous puissions te rejoindre, que nous puissions être avec toi dans cette célébration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te supplie, Seigneur, fais-nous grâce. Merci, de te ressembler, de marcher comme toi. Amen. D'avoir un cœur comme toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, docteur. Merci beaucoup. Je crois qu'on a été édifiés. Et vous, tous qui nous suivez, je suis sûr qu'ils ont été aussi édifiés. Amen. Et merci d'avoir aussi accepté notre invitation. Merci beaucoup. En tout cas, la prochaine. Le sujet était trop long. Okay. Il était trop grand. Donc, okay. J'ai beaucoup de questions. Tout à fait. On va revenir avec vous très prochainement sur, okay. sur les quelques points que vous avez soulevés sans qui problème. Concernent la chrétienté afin d'apporter plus d'éclaircissement. D'accord. Sinon, que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci pour tout. À vous autant. Alors, merci aussi à vous tous qui étiez là, fidèles à votre émission. Teila, on espère vous revoir très prochainement dans un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.